C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Gabon News. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de cette édition d'actualité, les journalistes gabonais sont en séminaire depuis ce matin dans les locaux du Palais de justice. Objectif, s'imprégner du code de procédure pénale gabonais et sensibiliser sur le respect de la déontologie et de l'éthique dans l'exercice du journalisme. Les détails avec Kenny Ongori et Justin Bitégué. C'est sous le patronage du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, que se tiennent les travaux du séminaire de formation sur le thème « Médias et justice, éthique et déontologie au cœur du journalisme » depuis ce mercredi 13 mai 2015 dans l'enceinte de l'École nationale de magistrature à Libreville. Un séminaire qui servira à taire les malentendus qui règnent entre la justice et les médias afin de consolider l'état de droit. Honorables invités, le malentendu entre la justice et les médias est permanent. La justice travaille dans la durée et le secret, alors que les journalistes veulent tout savoir et tout publier tout de suite. Bien entendu, le souci des uns et des autres est celui de servir les citoyens en accomplissant le devoir constitutionnel. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a présidé les travaux d'ouverture, a souligné toute l'importance de ce séminaire. En me félicitant de la convocation de ce rendez-vous, du donner et du recevoir, entre les acteurs de la justice et ceux de la communication, le gouvernement de la République estime que votre séminaire est un important moment pour la popularisation de la vision de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, en matière de consolidation de l'état de droit, de promotion des droits de l'homme et de raffermissement de la démocratie au Gabon. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Communication a servi de relais entre les professionnels de la communication et la justice afin de créer un équilibre entre les deux parties. Suite à la cérémonie de commémoration du 21e anniversaire des droits de l'enfant célébrée mardi dernier à Libreville, dans l'enceinte de l'école publique d'Ali Bandeng, Idaré Tenno, ministre de l'Éducation nationale, a posé un regard sur la vétusté de cet établissement. Elle a pris un engagement solennel, celui de réhabiliter cette structure scolaire en mal de modernité. Kenny Ongori et Maxime Tinga. Voici une école qui avoisine près d'un demi-siècle d'existence. À l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de la ratification par le Gabon de la Convention relative aux droits de l'enfant, le ministre en charge de l'éducation nationale a jugé l'importance de redonner à cette école un visage plus digne et rayonnant. Notre école, celle d'Ali Bandeng, n'est pas très digne de nous. À ce titre, je voudrais prendre l'engagement solennel de faire réhabiliter cette école. Une annonce qui donne forcément le sourire à la responsable de cette école qui accueille la nouvelle avec satisfaction. Conscient de l'importance que reflètent l'enfant et ses droits, le ministre de l'Éducation nationale veut à travers ce geste exprimer la volonté du gouvernement à œuvrer en faveur des enfants et principalement du droit à l'éducation. Allons dans la province de l'Anyanga où les cadres et les militants du Parti démocratique gabonais ont célébré et ont différé le 47e anniversaire de leur parti. Le week-end écoulé, la fête a débuté dans la commune de Mabanda située au département de Doutila. Là-bas, la camarade Marie-Françoise Dikumba a expliqué aux militants les efforts du distingué camarade Ali Bongo Ondimba pour améliorer les conditions de vie de la population. Suivons le compte rendu de Georges Meksantoutoum et de Refui Itsoga. «
Ici, dans la commune de Tshibanga, la communion entre la population et les cadres du PDG de la province de la Nyanga était à son comble. Chants et pas de danse ont particulièrement marqué l'assistance. Mais l'essentiel de la célébration de ce 47e anniversaire en différé se trouvait dans les allocutions des représentants du parti. La population militante et les sympathisants du Parti démocratique gabonais de la commune de Tshibanga se joignent à moi pour souhaiter également cette même bienvenue à tous les camarades venus des horizons divers. Pour fêter avec nous les 47 ans d'existence du Parti démocratique gabonais. Avec les projets qui se dessinent à l'horizon, dont certains ont déjà vu le jour et d'autres en voie de réalisation, donnent l'espoir aux Ninoises et Ninois d'un avenir prometteur et inégalé. Marie-Françoise Dikoumba a quant à elle donné des éclaircissements sur la stratégie d'investissement humain du Gabon. Le 29 janvier 2014, le président de la République a reçu à la présidence de la République toutes les forces vives de la nation pour leur présenter le pacte social qui est la feuille de route du gouvernement. C'est quoi le pacte social? C'est la vision du président pour essayer de lutter contre la pauvreté, la précarité et les inégalités sociales dans notre pays. À la fin de la manifestation, membres et sympathisants ainsi que les cadres du parti ont marché jusqu'au siège du PDG à Tshibanga. Le lendemain, les villages d'Ouseoussou, Dukumu et Mandilou 2 ont reçu chacun les cadres du PDG dans la Nyanga. Nous restons dans la province de la Nyanga, mais cette fois pour parler d'un groupe de jeunes qui a décidé de se prendre en charge en mettant en place un salon de coiffure masculin dont la particularité se trouve ici, dans la relève de l'autre, afin de ne pas perdre une minute, car pour eux, le temps, c'est de l'argent. Larissa Fall Traoré refuse Itsoga. S'organiser, travailler et réussir, telle est la mission que se sont assignés ces jeunes ressortissants de la commune de Tshibanga. Gabonais pour la plupart, ces derniers ont mis sur pied un salon de coiffure masculin dans lequel ils exercent depuis peu. Leur particularité ici réside dans le travail à la chaîne, qui consiste à relever les uns et les autres pendant leur absence afin de réduire au maximum les heures creuses. Billy Garcia, je suis élève en classe terminale. Je suis coiffeur en tant que releveur. C'est-à-dire, quand il y a un qui n'est pas présent, je remplace. Le salon est arrivé à ce niveau parce que ça a commencé à trois places jusqu'à maintenant, mais c'est juste l'organisation qui fait en sorte que ça arrive à ce niveau. Dynamique, prompte et déterminée, ces jeunes donnent le meilleur d'eux afin de satisfaire leur clientèle, mais surtout la fidéliser. Je me fais toujours coiffer ici, ils accueillent toujours bien les clients, c'est toujours très bien de se faire coiffer ici. Le tarif, ça dépend. Ça dépend de la coiffe. Ma coiffe, puisque je l'ai depuis, donc apparemment, je suis juste venu renouveler. Elle m'a coûté 700. C'est dans l'organisation qu'ils puisent leur force et efficacité. Ces derniers disent bien s'en sortir, gagner honnêtement leur vie et combler leurs besoins quotidiens. Comme le dirait cet adage, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que le saut tout genre. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur www.gabonnews.com. À demain 20h. Au revoir.